Bonsoir. Aujourd'hui, on va continuer à jouer à Perséphone. Donc la dernière fois, on a joué à Déméter. Donc on avait commencé l'épisode, enfin l'acte de Déméter, la mère de Perséphone, et on avait fait deux épisodes, enfin deux chapitres. C'était pas facile. J'ai bien galéré. Et aujourd'hui, eh bien, je vais continuer à galérer avec vous, et je vais de ce pas aller sélectionner mon jeu, l'ouvrir. Nous allons commencer la séance. Je vais donc enlever la musique derrière. Plus de musique, et on va aller sur le jeu. Tac, voilà. Nous y voici du coup, nous y voici, non, nous y voilà. Il me semblerait qu'il n'y ait pas de son pour le jeu. Tac. Y a-t-il du son? Il y a du son, c'est parfait. Bien. Du coup, aujourd'hui, déjà j'aimerais connecter ma manette, sinon ça va pas aller. Et oui, j'ai pas dit bonjour YouTube, bonjour tout ça, mais on est sur Twitch, pas sur Switch, sur Steam, mais on est sur Twitch aujourd'hui, comme tous les dimanches. On fait tous les dimanches des let's play, la discute du dimanche aussi, qui est en général un invité, mais il y a en ce moment une petite discussion, vu que je suis le créateur d'un jeu qui a des licences, et que les invités que j'aimerais inviter, je aimerais qu'on parle de ça, et on m'a un petit peu... taper sur les doigts, comme quoi je devrais prendre un peu plus de responsabilité, parce qu'en fait j'ai vraiment sur le dos ces 8 licences et l'image de ces 8 licences. Et donc je dois leur demander la permission pour pouvoir faire des interviews de mes propres collègues. Ce qui est compréhensible, mais néanmoins fâcheux et ennuyeux. Donc j'attends un peu la réponse en fait de notre publisher pour pouvoir réussir à faire... des interviews de mes potes, quoi, enfin des gens avec qui on a bossé. On en a déjà fait un sur Perséphone. Donc Perséphone n'a rien à voir, donc il n'y a pas de problème. Mais l'autre, c'était sur Captain Velvet Meteor. En fait, c'était plutôt sur le parcours en fait de Mélissa, qui a bossé avec nous, qui bosse maintenant en Suède. Regardez-le d'ailleurs. Je fais toujours le truc genre regardez-le, je vais le poser par là, et en fait je le fais pas du tout sur YouTube, je suis désolé. Donc cherchez sur YouTube, vous verrez que dans la discute du mianche il y a Mélissa, etc. Donc voilà, nous allons commencer le troisième chapitre du deuxième acte, qui est l'acte de Déméter. Je veux juste voir que le son soit bien. Le son il déchire. Et c'est parti. Et je ferai peut-être quand même une partie aujourd'hui. Suivant s'il y a du monde ou pas. Donc nouvelle mécanique là. Quand je me pose sur ces failles empoisonnées, je suis empoisonné. Et après un certain nombre de tours, je meurs. Donc c'est combien? 1, 2, 3. Sur le troisième tour, je meurs. 1, 2, 3. Donc voilà, le nouveau principe, là, de nouveau le jeu est sans texte, donc on vous explique entre guillemets comment jouer à travers les levels. C'est une discussion qu'on a eu aussi dernièrement sur une interview que j'ai eu avec PlayStation Inside, faut que je retrouve le nom exact. Attendez, je vais retrouver le nom exact parce que j'ai foutu mon portable. Quoi? Attendez 2 secondes, je reviens tout de suite, 2 secondes. Voilà, je suis de retour. Alors, j'aimerais pas vous dire de bêtises, donc je suis allé chercher le nom exact. Donc, effectivement, PlayStation Inside.
PS Inside FR, c'est le nom sur. Attends, je vais vous le noter ici pour leur Twitter. C'est, ils sont excellents. C'est vraiment des gens, ils sont super sympas. Et ils m'ont interviewé. Et on a discuté du coup de. Entre autres choses, on a discuté de la création des levels de Captain Velvet Meteor et comment on avait en fait appris cette manière de. Appris sur le tas cette manière de faire, et bien c'était dans Persephone parce que c'est la manière qu'on a. Voilà, normalement ça devrait jouer. Voilà. Yes. Donc là, c'est, il l'a mis comme un nom de Twitch, mais c'est en fait c'est leur Twitter. Plutôt que de mettre le lien, j'ai préféré mettre comme ça. Ouais, en gros, le principe c'est de faire un level où on enseigne quelque chose aux joueurs. Ensuite, le deuxième level, il est pour tester cette nouvelle chose qu'on a appris. Et ensuite, on fait un level difficile, ou bien on introduit une nouvelle mécanique. Et à chaque fois, en fait, on a ces structures-là. Donc, si vous regardez un petit peu dans Persephone, ben, la première, on a appris que après 3 coups, tu mourrais. Et si tu le fais pas, tu passes pas au prochain level. Et là, en fait, du coup, on le teste, on le met en pratique. Ok, c'est pas là. 1, 2, 3. Ah non, je peux pas mourir là. Ok, moi, je pourrais faire ça. 1, 2, 3. Boum. Et voilà. Et là, 1, 2, 3. 2, 3. Et voilà. Donc, on a mis en pratique. Et maintenant, nouvelle mécanique. Enfin, nouvelle ancienne mécanique. La glissade. La glissade, avec ça on connaît, on avait déjà vu, c'est des box, sauf que il y a c'est un spawner quoi, c'est un créateur de, voilà, chaque fois qu'il y a une box qui disparaît. Ouh, le joli bug. Ouh. Mais alors, nous avons des bugs. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne me souviens. Est-ce que si je fais ça, je ne meurs pas? Si, je meurs. Je merge. À quoi me sert cette boîte du coup? Si je peux pas la mettre là. Oh, c'est bizarre. Et là je peux? Ouais. Je fais n'importe quoi pour l'instant. Hein. Vraiment n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas faisable du coup si je peux pas pousser le. Parce que c'est sûrement pour bloquer quelque chose, non? Oh là là! Est-ce que depuis tout ce temps, ce jeu avait un bug qui empêche les gens de réussir? Ça serait horrible. Attends. Le but, c'est d'arriver là. Et de ne pas tomber. De ne pas s'empoisonner. Moi, ce que je ferais, c'est j'irai là. Là. Là, là. Et je l'avais où la boîte du coup? Je la voudrais là, non? Mais si c'est pas possible, je fais comment? Je fais avec un corps. Je crois pas, hein. Je crois pas que la boîte, en fait, la box, pardon, c'est pas une boîte, la caisse me bloque, non, effectivement. Qu'est-ce que doit être pour autre chose? J'aimerais bien voir la solution parce que si on a un bug ici, ça va être compliqué de passer à suite. Le problème, c'est que je crois que j'ai déjà passé à suite, donc normalement c'est faisable. Et si les corps ne me bloquent pas, c'est que la caisse ne me bloque pas non plus. Donc ça doit pas être ça. Oh, je crois que je sais. Ok, je crois que c'est ça. En fait... Alors attends. Comment je fais? C'est possible. Ce que j'aimerais mettre, en fait j'aimerais bien mettre la boîte ici là. Là où j'ai mon personnage maintenant. Comme ça en faisant ça, quand je viendrai, je serai sur une case avant. Et du coup je pourrais aller jusqu'... Ah non, je peux pas. Non, c'est pas ça.
Et là, là non plus, ça aurait aucun sens de faire ça. Là, ça aurait peut-être du sens, mais... Attends. Oui, mais c'est ça. Comment je fais, du coup? Compliqué de ça là. Voilà. Comment je fais maintenant pour le mettre ça là-bas? Mais là, je suis déjà en train de galérer, les gars. L'enfer sur terre. Ouais, l'interview avec Insider là, c'était vraiment. Vraiment cool, on a eu une discussion bien, assez longue d'ailleurs. Je crois que ça va sortir en podcast d'ici quelques temps. Je vous dirai quand et je posterai le lien sur Discord. Pour l'instant le Discord, à part ça, dites-moi si le Discord est bien organisé ou pas. Pour l'instant, il y a vraiment... Il y a vraiment juste par langue et puis j'ai essayé de regrouper en fait les différentes vidéos. Ok, mais là il faut que je réfléchisse 2 secondes. Parce que si je fais ça... Non, ça aurait été trop beau. Est-ce que j'ai besoin de la caisse? Je suis pas certain que j'ai besoin de la caisse pour ça. Normalement tout ce qui est... Ah, pourquoi j'ai besoin? Normalement tout ce qui est une caisse devrait pouvoir être fait par un corps en fait, donc... si je fais ça, ça devrait le faire. Voilà, donc la caisse servait à rien. Et en plus elle buguait. J'hésite à l'enlever en fait. Anyway. Donc là il faut que je brûle. Il y a ce truc qui tire là-bas. Et si vous regardez là, il y a deux corps pétrifiés. Ça aussi en fait c'était un... Comment on appelle ça? Un easter egg pour un jeu de potes. D'ailleurs je sais pas si le jeu est sorti du tout, malheureusement. Donc oups. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ça là? Ah oui, pour que je meure devant. Hé hey. Ça sert à quoi? Ah, ça c'est le pont, ouais. Ok. Je vais aussi faire ça. Je peux aussi faire ça. Parce que la caisse, je pense, c'était pour que je brûle en fait à côté de la caisse. Et je me demande si le corps est pas brûlable aussi. Non. Je suis un peu emprunté là. Pressé. Non, ça sert à rien si j'ai pas le... Ça. Oh. Oh. Magique. Fallait faire le lien avec un corps. Mais ouais, ben allez. Oh, là il y avait un truc derrière, non? Attendez, je reviens. Je suis sûr. Non, il n'y avait pas. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a un level secret, il y a la ligne. Les lignes des levels là. Carré. Et au bout de la ligne, il y a un triangle. Quand il y a le triangle, ça veut dire qu'il y a un level secret sur un des levels qui est sur la même ligne. Tout ça, on l'explique pas. Hein, mais les gens qui découvrent, ils découvrent. Et du coup, là, il y avait un truc un peu bizarre à la fin. Du coup, je me suis dit qu'il y avait, quelque chose. Ok, attends. Là, ce que je dois faire, c'est... Il faut que je mette mon corps pétrifié sur une caisse en mouvement sur l'eau. Si je fais ça, c'est la merde. Non, on recommence. Il faut que je bloque d'abord...
ça. Ensuite, je reprends ça. Mais il faut que je, quand je meurs une dernière fois... Alors... Ça, il devient plus noir. Est-ce que si je meurs plusieurs fois, il va se casser ou pas? Non. Donc, il faut que je fasse encore pétrifier par là, genre. Ok. Il en faut... que le quatrième... Tellement fat. Et là-bas il se ramasse, mais vu que c'est de la pierre, ça bouge pas quoi. Tout ce qu'il faut faire comme poterie là pour réussir à... sculpture plutôt. Alors on a un téléporteur, un zombie. Voilà. Sauf que ça va pas, parce que le zombie, il doit pas être là pour ça, non. Sinon, il faut que je laisse un corps qui bouge plus dessus. Donc en fait, le zombie, ça doit être le deuxième. Voilà. Qui va aller pousser. Voilà. Si je meurs à cause de... Voilà, il va aller pousser celle-là. Bon, on est bon. Ça va aller vite aujourd'hui. Ce sera une petite vidéo. Ok, donc là ça fait ça. Non. Je peux en avoir que 3 en même temps. Pas ça. Pas ça. Non plus. Est-ce que je peux déjà faire quelque chose? Cette caisse, je vois pas ce que je peux faire de ce que de la pousser là. Déjà. Hein. Ça y est, tout qui est ouvert. Okay. Donc il faut un là, ça c'est sûr. Là non. Ah. Là. Et là. Ah bah voilà. Voilà, et là ça me casse ma caisse. Est-ce que c'était bien de casser la caisse? Ok, donc là on a fait ça, ça c'est... Oh. La caisse elle m'a permis de... Il faut que j'ouvre là. Là. Et là. Allez, faut se concentrer hein. Et en fait là il y a... El secreto. Est-ce qu'il y a du monde sur le chat? Oui. Bonjour monde sur le chat. Qui est là? Dites-moi bonjour. Alors. Donc là, le but, c'est toujours la même chose, de mettre le personnage principal sur ces trucs. Oh non! Oh non! Ok, ok, attendez. Je l'ai déjà fait, je vais tricher un peu. Le but, c'est de remettre du coup les corps, enfin de mettre Déméter sur ces sortes de tentacules noirs là. Pour qu'elle puisse créer les racines qu'on voit dans l'acte 1 avec Perséphone. Là en gros faut juste que je mette... Ah non mais j'ai que 3 corps alors, c'est pas possible. Que 3 corps, donc faut pas que je choisisse celui-là. Celui-là c'est bien. Tac. Alors on en a un. On va commencer. Tac tac. Deuxième, ce sera celui-là. Tac, tac, tac. Voilà. Il y a des petits trucs que je changerais dans ce jeu hein, en ce moment, j'avoue. Des petits trucs de level design, genre la sortie là, je la trouve trop proche de l'endroit où on fait notre puzzle. Et le risque que j'ai d'aller dessus comme j'ai fait avant est trop grand à mon goût. Ah
Ce corps me sert à rien. Je parle pas du mien, je parle de... Là. Ah okay. Là. Tac. Ouais, là c'est trop proche. Cette entrée est trop proche de... De ce que j'aimerais... De ce que j'aimerais pour pas accidentellement sortir du level et devoir tout refaire. Mais normalement, justement, une fois qu'on a... Enfin, qu'on a débloqué le level secret, on peut y accéder depuis le menu de sélection de level, sauf que le joueur il le sait pas forcément s'il continue à jouer de manière linéaire comme je le fais là. Tu sors jamais vraiment dans le menu sauf quand t'as fini un chapitre. Alors là il faut que je mette dame. Et voilà, c'était simple celui-là. Voilà, qu'il est joli. Toutes ces ronces. Ok, on est toujours deux sur le chat. Le chat, messieurs et dames. Bon, on doit remettre ça là, retaper tout ça, donc c'était quoi déjà? Aucun de ces deux. Et celui-là. Voilà. Donc là c'était bon. Et ensuite c'était ça. C'est ça? Non, il y en avait encore un. Ah, j'ai fait au bol là. C'est celui-là. Non. Voilà, c'est ça. Et comme ça, je peux sortir. On a fait le level secret, tout béni. Tout est bien. Ça, je me rappelle que c'est moi qui l'avais fait. Donc, quand on glisse, normalement, on se fait pas tuer par les lasers. Mais quand on glisse pas... Donc là, le poison, il sert à... Ok, donc... Une stèle égale... Je suis obligé d'être empoisonné, c'est pas cool ça. Ça veut dire que je vais perdre des corps pour rien. Ça va être compliqué. Ah non, je suis con. Il y a un checkpoint. Mais qui es-tu, développeur de pacotille? Par contre là, ouais. Non, en fait, c'est nul. Voilà. Ça, c'est censé me servir à me protéger. Hop, on va mettre ça derrière. Tac. Ah. Et aller là-dessus faire quoi? Comment je... Ah. Ah. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, parce que je suis mort, du coup ça a perdu... Oh. Yeah. On va faire, c'est compliqué tout ça, hein. La life, tout ça, c'est compliqué. C'est mort, ça me choque. En gros, ce que j'aimerais, c'est avoir un corps sur chaque dalle, mais je veux, si possible, j'aimerais pas avoir un corps sur... Ouh, mais attends. Que boulage. Lui, il se fait... Enfin, elle se fait défoncer de toute façon. Laissez-moi réfléchir. Non, ça va pas le faire. Ce que je me dis, c'est que si je meurs ici... Ça, oui, ça, c'est bon. Si je fais ça, c'est celui-là qui disparaît, donc c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Comme dirait l'autre. Mais non. Parce qu'il faudra à un moment donné, il faudra ça là.
Je sais. Non, je sais pas du tout. Mais je suis ennuyé. Vous ne savez pas à quel point. Est-ce que vous avez l'impression que je fais n'importe quoi? Eh bien, vous avez peut-être raison. Parce qu'elle est bien complexe, celle-là. Ah, je piétine. Aidez-moi. Ça se dit, je piétine? Je patine. Je poutine. Je me mets à l'aise. Donc, ce poison là au début, 1, 2, 3, poum, on se fait de toute façon avoir par le laser, il faut de toute façon deux corps là-bas, n'est-ce pas? Oui. Donc la caisse, on pourrait la mettre, ah mais je perds quand même un corps. La caisse, il faudrait la mettre. Non, on peut pas la mettre là. La seule manière d'utiliser cette caisse là, c'est de la mettre là. Ou oui. Là. Ensuite, mourir ici. C'est ce corps là. Donc là, le corps qu'on va perdre. Ah, mais là, c'est bon. Le corps qu'on va perdre, c'est le premier qui était pour pousser la caisse. Et du coup, elle était pas. Tac, là on prend ça. Ça c'est bon. Cette caisse, une fois qu'elle est posée, on pose un corps ici, on pose l'autre. Et on va chercher. Non ! Je peux revenir. Madre de Dios. Fuck. Non, qu'est-ce que tu fais? Je me suis planté. Ok, bon. Cette caisse, je peux faire deux trucs avec. Je peux la mettre sur cette plateforme-là. Ou me protéger derrière. Et je peux me protéger derrière l'infini. Mais le souci que je vois... Si j'en vois, hein. C'est que perdre des corps, parce qu'on en a que trois, ça ne fait pas plaisir. Pas vraiment. Non, non. Voilà. Ça, on pourra faire autant de fois qu'on veut, pour l'instant. Là, ce corps, normalement, il disparaîtra pas. Je peux même aller faire ça. Poser un là, au cas où. Mais ça ne m'aidera à point à faire ce que je veux. Pas du tout même. Complètement nul. Je me déteste. Oh ! Ou pas. Ok, c'est... c'était de la chance. Mais je l'ai fait. C'était de la chance, mais je l'ai fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est empoisonné et empalé? Rien. Pas sûr que c'était le bon endroit. Parce que là, c'est plus difficile à aller chercher. Non, c'est pas le bon endroit. Reviens. Wow. Voilà. Et là. Et là. J'aime pas. C'est compliqué. Enfin, si j'aime, mais j'aime pas. C'est compliqué. Donc là, ce bois, je dois probablement l'utiliser pour pouvoir cramer tout. Donc je vais devoir foutre un bois ici. Une caisse, là. Ici dessus. Comme ça, ça touche. Bam, quand je brûle. Et depuis là, je fais 1, 2, 3. Nous irons au bois. 86, nous irons manger des saucisses.
teste des trucs, hein, je suis pas du tout sûr que ça va marcher. Enfin, moi, je suis sûr que ça va pas marcher. Arrête! Arrête de faire n'importe quoi! T'y entres! Attends, parce que là, si je fais ça, regarde. 1, 2, 3, je meurs soit ici. 1, 2, 3, je peux mourir là. Ok, ça sera pour la fin, j'imagine. On va faire tout un truc là pour aller brûler la caisse qui me permet d'aller... D'abord, il faut que j'ouvre cette partie-là. Et du coup, ça fera 1, 2, 3, et je peux brûler ça. Ça, là. Et du coup, il faut que je connecte ici ces deux. Comme ça. Où est-ce qu'il faut que... Comment je connecte? Je suis point ainsi, on parle. Je suis désolé pour l'accent. Je suis désolé. J'aime vraiment beaucoup cet accent. Sans aucune... Vous savez, j'aime beaucoup les langues. De vrai. Je comprends 7 langues différentes. Et j'en parle 3. Et du coup, j'adore la musicalité de certaines langues. Dont le québécois. C'est pour ça que je fais cette petite copie, n'est-ce pas, de québécois. Parce que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on a fait ça. Là, on se suicide squad par ici. On met les caisses dans le lien. Et je comprends mon propre jeu, les gars. Notre propre jeu. Je dis les gars, encore une fois, je suis sûr qu'il y a des femmes qui regardent, je suis désolé. Je ne considère ou plein de gens. Ça n'a pas marché parce que j'avais pas le t-shirt. Et du coup. Ce qui va se passer, il va se passer que ça a marché. Je dis les gars parce que c'est un truc qu'on dit pour dire les gens. Là, c'est les Fruit Loops là. Il y a tellement de... Alors ça, c'est des téléporteurs si jamais. Et du coup, ils sont plus ou moins liés par couleur. Donc je devrais pouvoir normalement voir plus ou moins... Lequel est lié avec lequel, mais le problème c'est que les couleurs sont pas ultra pétantes. Donc j'imagine que ça, ouais, c'est ce que je pensais. Donc, ça non, je vais oublier, ok. Donc il faut que j'ai des corps là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, tac, tac. C'est ça là. Oh, ça se téléporte pas ces trucs. Ok. C'est nul. Quoique non. Hop. Et du coup, il a disparu le corps. Ah non, il est parti de l'autre côté, là. C'est magique. Double corps. Où suis-je? Que fais-je? Puis-je? Qu'entends-je? Bordel-je? C'est compliqué-je? Je panique. Ok, bon. Ça m'aide pas tout ça. Oh. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose du genre à faire avec ça? Non. Mais je pense que oui. Voilà, c'est plutôt ça que je vais faire. Ensuite, il faut que je prenne... celui-là, non, celui-là, ouais. Il fallait que je prenne celui-là pour pouvoir pousser le corps, là. Je sais pas si vous comprenez quelque chose. Moi, j'avoue ne comprendre qu'une petite partie de tout ce bazar. Mais en gros, il faut que j'amène... corps ici, que j'aille là pour l'amener jusqu'ici, ensuite que j'aille là pour pousser dessus,
Pourquoi elle meurt? Ah non, elle n'est pas morte, elle a téléporté. Ok, elle a téléporté à mort. On va essayer quelque chose. Ou pas, ça sert à rien. Je réflexionne à fond là, hein. Je vous préviens, je suis en train de réfléchir à fond. Mais c'est un peu compliqué. J'avais fait comment pour le mettre là-bas dessus? Là, celui-là là. C'est pas le bon endroit. Non, ok. Si je vais là, le corps va revenir. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est pas aller là non plus, parce que là j'ai un corps qui est dessus et je l'aime bien là où il est. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. J'aime pas les... Ah oui, non, attends, j'ai fait un truc intéressant là. Oui ou pas? Ce que je veux, c'est aller là. Voilà. Ah ben non, c'est pas intéressant. Parce que je peux pas la pousser. C'est nul même. Là, ok. Non, 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 ok, j'ai compris un truc. Sauf que ça m'aide pas, c'est ça le truc, ça m'aide pas en fait, tout ça. Regarde, là, je viens là, là. Même si j'ai le corps ici, il me sert à rien. Je peux pas le pousser là-dessus. Ok, là, là, il y a quelque chose. Ah! Là, il y a quelque chose. Voilà. Du coup, il en reste un ici. J'avais réussi avant et je sais plus comment j'ai fait. Et là aussi. Non. Ah non, il n'y a plus que là. Ouais, là, non, ça me sert à rien en fait. Je vais les faire tous. C'est quoi, dégage là. Ok. Donc en fait, il faut que j'aille peser sur le premier, celui-là. Que je fasse ça, ça, ça. Pas du tout. Ça, ça, ça. Oui. C'est cela. Et maintenant, je suis coincé. Est-ce que je peux plus faire ça? Mais quelle misère que je... les accents là, il faut que ça arrête tout de suite. Laissez-moi pleurer, je veux pleurer. Oh non, 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 là, je suis bon. Là, je suis bon. Ah, je suis bon. C'est pas, je suis bon. Surtout ne pas mourir. Oui. Mais. Terminé le troisième chapitre de l'histoire de Déméter. C'est fait. Et comme aujourd'hui il y a quasi personne sur le chat, je me demande si on s'arrête pas là et on garde le dernier. Les deux derniers chapitres pour la prochaine fois. Aujourd'hui, il y avait tellement personne qu'on a eu Living in the Brussels, probably. On a eu un gars, pas probablement un bot, qui vient nous dire « Hey, j'ai vu que t'avais personne sur ton chat. J'ai aussi vu que... » Alors, attends, je vais revenir là. « J'ai vu que t'avais personne sur ton chat.
J'ai aussi vu que t'avais pas beaucoup d'abonnés. Si tu veux vivre de ça, mon gars, il va falloir avoir un peu plus. Vas-y, paye-nous un petit peu. Et puis on t'aidera, ou on fera semblant en tout cas. Mais non, je suis pas là pour là, pour ça. Pardon, je suis pas là pour ça. Et mon but n'est pas de streamer tous les jours et streamer n'importe quoi. Ou de faire des découvertes. Il y en a bien assez qui font ça. Moi, mon rêve, ce serait de pouvoir streamer quand je bosse sur un jeu vidéo. En étant transparent, presque transparent, parce qu'il y a des trucs avec des publishers, et de pouvoir en fait partager tout le process. Je vais pas faire 8 heures de stream par jour, bien sûr, mais de partager une bonne partie du process de création d'un jeu signé avec un éditeur. Et il faudrait l'accord de l'éditeur pour ça. Perséphone en aurait pu, mais à l'époque, ouais, à l'époque, je faisais pas ce que je fais maintenant et je me disais que tweeter. Tweeter, c'était ça la manière de promouvoir ton jeu. Mais je suis pas très. Ouais. Je suis pas très community manager en fait. Ni très marketeur d'ailleurs. Mais je sais que ça se dit pas comme ça. Par contre, de plus en plus, là maintenant, je commence à réfléchir à ces choses-là. Et donc, le rêve, ce serait de faire ça. Et d'avoir plein de followers ou pas, finalement. Tant que ça reste en archive sur YouTube, c'est à ça que je voulais venir. Et ben pour moi c'est ça le but. C'est pour ça que je dis salut YouTube, bonjour. Vous le voyez probablement par après parce que sur Twitch, ben voilà, si les gens ne sont pas disponibles sur le moment même où je fais le live, ben voilà, très peu de monde, mais voilà. Et du coup aujourd'hui je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Dimanche prochain, je discuterai un peu plus probablement et je vais essayer de voir aussi pour pouvoir connecter un autre jeu. Pour que je puisse juste m'amuser moi de mon côté à faire autre chose. Pas sur le PC, parce que là je joue à Fallout par exemple, sur autre chose ou sur tu vois, des trucs que j'aime bien. En attendant qu'il y ait du monde peut-être qui vienne. Mais je sais pas, ce sera peut-être pour le futur. Et une fois qu'on aura terminé, donc je pense que dimanche prochain on terminera Demeter. Donc il y aura plus que. Ouais, quoi que c'est difficile. C'est le chapitre que vous avez en face. Enfin, que vous aviez en face des yeux, en fait, celui-là, là, il est assez difficile. Forcément, c'est le dernier de tout le jeu. Donc, il va être difficile, mais si j'arrive à faire ça, il y aura après le chapitre bonus, et je pense pas que je vais faire une vidéo entière pour le chapitre bonus, parce qu'il est assez rapide. Donc, je ferai les deux, ce qui voudra dire que la semaine prochaine, on finira Persephone. Et ce qui voudra dire que la semaine d'après, je jouerai à Captain Velvet Meteor en français. Ce que je suis déjà en train de faire en anglais, donc je vais me le retaper, mais en français, en faisant les voix et tout ça, je vais m'amuser un peu. Ça sera rigolo et ça sera aussi dimanche. Allez, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Je sais pas quelle heure.